Patriote, indépendant et visionnaire, mais perdu les temps au fonctionnaire. C'est le cerveau là qu'on t'en fait l'air. La brise pour tous à mes poderliers. Travaille la terre, pas faire l'air, mon frère. C'est Azoti qui fin arrive l'air. Moi c'est Rafiki de l'île Maurice. On est ici à Tamarin, juste devant les salines de Tamarin. C'est un cadre privilégié dans lequel vivent et se côtoient les pêcheurs et les surfeurs de la région. J'ai 20 ans. J'ai commencé la musique dans l'enfance, en suivant mon frère un peu naturellement quand lui a pris la guitare. Et ensuite, tout ça s'est un peu plus affirmé au moment de l'adolescence, après quelques périodes d'insomnie, en fait, liées à l'école et à l'éducation en général. J'avais pas mal d'anxiété par rapport à ce qu'on me donnait comme valeur. Et donc, tout cela s'est manifesté dans une période un peu difficile. Et puis, pour reprendre du poil de la bête, la musique m'a beaucoup aidé. Et puis, la musique consciente aussi m'a donné une façon de m'exprimer et de poser mes mots sur le papier. Le premier morceau que j'ai écrit, moi, dans ma vie, j'avais 6 ans, mais il n'était pas terrible. Le morceau que j'ai écrit plus tard, à un âge plus mature, c'était suite à l'accident d'un ami en skateboard qui s'était fait gravement mal et qui était aux urgences. Et l'émotion a juste laissé place à un morceau tout de suite, sur le moment. Dans les 20 minutes qui ont suivi, j'avais le morceau. On this little island, you meet people that overstand. Love is the key to be happy. Wait. The mirror of our soul. Pour moi, la musique, c'est une manière de transmettre des émotions. Quand je pense à quelque chose, il y a une voix dans ma tête qui émet ces pensées. Et puis, c'est cette même voix qui me donne les mots à écrire sur le papier. Donc, des fois, elle, cette voix, peut réagir à une montée d'émotions et juste poser les mots qui ensuite resteront comme mon travail. Alors qu'en fait, c'est son travail. Rastaman life is good. Every time you lift up your head from the screens to smile to the people you're crossing up on the streets, you let fall a seed of love. And the more you give, the more you have to give. When you live it, you can only agree that there is something living greater than we are. Call it mystical levity, universe, yeah! It lives within me. Rastaman life is good. Avant de commencer à faire de la musique dans cette période de révolte face à l'éducation que je recevais, j'avais pas vraiment d'espoir. J'avais du mal à trouver la lumière dans ce que je voyais. Alors qu'au final, aujourd'hui, j'arrive à transformer toutes ces émotions qui peuvent être parfois des frustrations en quelque chose de positif qui peut faire envie de sourire. Teach them to love and to live strong. Tell them nature is good, ego is wrong. Nature is good, ego is wrong. Rastaman life is good. Rastaman life is good. J'ai pour envie et pour ambition de ramener avec moi la jeunesse vers l'accomplissement de soi, à ce qu'ils réussissent à s'affirmer, à être eux-mêmes, à exprimer leur créativité, sans prendre en compte toutes les barrières qu'on peut rencontrer, spécialement dans les pays comme l'île Maurice, où la bureaucratie peut ralentir tellement de choses qu'au final, on n'a plus envie d'être ambitieux. On n'a plus envie de vouloir faire ce genre de projet que de se libérer. La pression sociale aussi est assez forte. Et donc, le fait que tout le monde se connaît, il y a énormément de poids qui peut peser sur un jeune. Et
parfois, pour réussir à aller de l'avant, il faut aussi réussir à se libérer de ce poids et à penser constructivement et se dire qu'est-ce que moi je peux faire pour améliorer mon environnement ou améliorer mon environnement, ma vie à moi, mon cadre, mon monde. Ideas and thoughts, who let them as one I'll find Omega make love in the dimension of sound. Why yeah, le monde est vaste et le monde est grand. Et moi, j'essaie d'encourager les gens à aller vers la rencontre des autres, dans les voyages, etc. Moi, de mon expérience du voyage, que ce soit à Madagascar, ou à Trinidad, ou en Dominique, il existe des mondes. Et chacun d'entre eux a une réalité légèrement différente que celle d'à côté. À l'extérieur de l'île Maurice, mon plus grand souhait à moi, c'est de réussir à montrer aux gens que mon île est plus qu'une dune de sable blanc et des hôtels de luxe, qu'il y a une vraie culture et un monde et une richesse derrière, qu'il y a aussi des combats qui s'y passent et un certain nombre d'ambitions et de rêves à réaliser. Le pays est en développement. Le pays se développe vite. Et de plus en plus de monde, je pense, connaissent l'île Maurice maintenant à l'extérieur. Moi, dans mon travail, que ce soit en tant que guide de montagne, puisque je les emmène sur la route des Marrons, au Morne, ou le chemin des pèlerins dans les gorges, c'est des endroits où je prends le temps, et ça me fait plaisir, de leur partager, à ceux qui viennent de l'extérieur, une autre version de la réalité mauricienne. Effectivement, nos couchers de soleil sont exceptionnels. Mais il y a aussi autre chose, il y a une histoire, il y a aussi des relations sociales. Et de les aborder avec une certaine honnêteté, je pense, permet aux autres de mieux comprendre ce climat culturel et social de l'île Maurice. Donc un peu de Sega Music de l'île Maurice, la fusion du Sega et du reggae. Bada 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 pam pam. Patriote, indépendant et visionnaire. Pépé dit les temps aux fonctionnaires. Zéné c'est volant compte en fait l'air. Bada 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 pam pam. Bada 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 pam pam. Patriote, indépendant et visionnaire. Pépé dit les temps aux fonctionnaires. Zéné c'est volant compte en fait l'air. La brise pote nous a mais pas derrière. Travaille la terre, pas faire l'air mon frère. C'est Azodi qui fin arrive l'air. À nous aller, nous voyager. Travail la fait autour la terre. À nous aller, représenter. Mos ni pat mon l'identité. Mon dieu toi mon frère. Mos ni pat ça veut dire marche pieds nus. Mos ni pat qui dans la ville qui soit dans Fatak. Reconnecté. Dans une île multiculturelle comme l'île Maurice, on n'a pas besoin de quitter l'île pour se mettre à voyager. Si je vais à Chinatown ou au pèlerinage hindou de Grand Bassin, ou si je me déplace vers les villages du Morne où il y a principalement des Africains, chacun de ces périples va me sembler à moi comme un voyage culturel à part entière. De manière gustative dans la nourriture que je vais manger, par le langage, puisque même si on parle tous le créole, on a quand même des expressions propres à nous, on a quand même de parler des valeurs aussi, qui sont parfois différentes, des choses, des tabous qu'un tel a, que l'autre n'a pas forcément, et puis des choses qui leur sont propres. Donc moi, c'est le monde dans lequel moi j'ai choisi d'évoluer, en tout cas j'essaie d'apprendre de ces différentes cultures et d'inciter les gens vers un voyage personnel. À nous aller, nous voyager, travail la fait autour la terre. À nous aller, représenter, mos ni pat mon l'identité, mon dieu toi mon frère.